L'agent secret Bruce P. Minehorn fut capturé sur la frontière sibérienne. Ils lui enlevèrent un œil et le remplacèrent par un détecteur de mensonges optiques hyper perfectionné. L'étoile de Richard n'est pas prête de s'éteindre. Son ascension vers la gloire. Et tu fonces. Oh bah 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 bah. Oh bah 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 bah. Bordel. C'est une phase de transition. Plus personne ne connaît mon nom. J'ai reçu une proposition pour toi. De la police. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'accepterai de parler qu'à une seule personne. L'inspecteur Mindhorn. J'accepte. Pardon, qui était à l'appareil? Et le monde est une scène. Non, pas du tout. Une jeune femme a été victime d'un meurtre. Ok. Richard, qu'est-ce que tu fais ici? Ne vous remettez pas ensemble. C'est une blague. Regarde-le, il est tellement gros. C'est un désastre. Tu passes d'acteur sans emploi à acteur inemployable. Je suis sûr que tu n'en es pas là. Regarde-moi. Quand tu parlais à ta secrétaire... La voilà, ma secrétaire! Tu vis dans un rêve, Richie. Moi, je vis dans un rêve. Désolé, c'est assez drôle. Rien de tout ça n'est réel. Ça, c'est du toc. Non, elles sont vraies. Mais rien d'autre ne l'est. C'est quoi ce truc ici? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un anus. Non. Je crois que c'est une zézette. Tu l'as raté, Richard. Perdu au jeu de la vie. Salut, mon vieux. J'ai l'air de quoi? De quelqu'un qui doit se faire examiner. Je travaille ça. Tirez pas! Tu peux prendre ma femme, mais pas ma putain de voiture. Oh, merde! Vous devrez rester tout le temps dans le personnage. Oui. En fait, il vaudrait mieux le laisser raccrocher. Bien sûr.